Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans le Vermont. Le Vermont est un état qui est pas très loin du Canada. C'est un état très rural. Quand vous roulez en voiture, il y a autant de concessionnaires automobiles que de concessionnaires de tracteurs. C'est un état qui est très vert, très forestier. Il y a des lacs, c'est très nature. Et il fait déjà frais par rapport à la Floride, il fait vraiment froid là. Donc, bonjour, je vous propose d'aller découvrir le Vermont. L'activité principale dans le Vermont, le dimanche, c'est la marche en forêt. Il y a des grands sentiers très larges, et là, vous croisez des centaines de gens qui se baladent. Et l'atmosphère est très sympa. Les gens ont la même tenue, c'est des grosses chaussures, des pantalons de randonnée, et on marche beaucoup dans le Vermont. Après une heure de marche, nous sommes arrivés sur un petit promontoire rocheux. Et là, la vue est magnifique. C'est un mélange de forêt, de plaine, de lac, de montagne. Et quand vous regardez ce paysage-là, vos yeux se reposent et les rétines sont extrêmement heureuses. Si un jour vous vous promenez dans le Vermont, vous allez découvrir deux particularités locales. Un, les routes ici ne sont pas goudronnées, parce que l'hiver il fait tellement froid que le goudron explose. Et deux, quand vous vous baladez en forêt, vous croisez des tuyaux bleus. Et en fait, ce sont des tuyaux qui collectent le sirop d'érable dont les Américains raffolent pour leurs pancakes le week-end. Le Vermont a un climat frais. Il fait toujours un petit peu froid. Et quand vous voyagez en voiture, après quelques kilomètres, vous avez besoin de vous arrêter pour boire une bonne bière au coin du feu, au milieu de la forêt. Et c'est une sensation qui est très agréable. En fait, cet état est très reposant. Le charme du Vermont, c'est ses montagnes, ses collines et ses toutes petites villes. Ici, on est dans une ville qui s'appelle Bristol. Et c'est vraiment l'Amérique profonde. Vous avez la rue principale, des très jolis petits bâtiments à droite et à gauche de la rue. Et les gens sont hyper accueillant. Vous pouvez pas vous imaginer ce que les gens sont gentils ici.